Oui, ben écoutez, on a reçu, comme tout le monde, là, la décision qui a été rendue par le tribunal concernant l'injonction. Ben écoutez, on la respecte évidemment. Puis je pense que nous, ce qu'on veut absolument éviter à la Ville de Montréal, puis le SPVM également, là, c'est des situations qui pourraient ressembler à ce qu'on a vu aux États-Unis, là, des confrontations extrêmement, somme toute, très violentes. On n'est pas comme ça au Québec, là. Donc, on ne veut pas ça. Donc, moi, ce que j'invite, c'est vraiment l'Université McGill à continuer, là, à garder le dialogue ouvert. Il y a d'autres universités aussi qui ont trouvé des solutions, une voie de passage. Alors, je pense que tout le monde souhaite que ça se règle de façon pacifique et via le dialogue.